Ténébreuse Musique, c'est un boys band en vrai. Hein. On est tout bifree. Moi, je suis Adèle, le Tunisien, et lui, c'est Franck. Et on a le fantôme de Philippe avec nous. Philippe. On a un diable avec nous. C'est Philippe, Nicolique. On est parti à Longjumeau pour acheter de la drogue. Dis-moi si je me trompe. Et après, on a enregistré un couplet qu'on a dû réenregistrer au studio de Longjumeau. Non, c'était au studio de LMC Click, leur ancien studio aux banques de son, et c'était Jack Manny, l'ingénieur. On s'est trouvé mille et un points communs. On avait les mêmes goûts pour les films d'horreur, les mêmes goûts pour les musiques, tu vois, pour le rap de Memphis. Des mecs pas connus, tu vois, on les connaissait tous les deux, ça m'a surpris qu'ils connaissent ça, tu vois. On avait plein de points communs. J'avais jamais rencontré de diablotin comme lui, tu vois, de bestioles dans son genre, des rappeurs comme ça, bien coiffés, bien habillés, tu vois, propre sur lui, propre dans son cerveau. C'était lourd. Propre dans le cerveau, ça. C'était mon entrée dans le rap que j'écoutais, en fait, tu vois, plus qu'autre chose, quoi. Donc après, bien sûr, ça m'a ouvert plein de trucs, tu vois. Après, c'est aussi parce que je pense que le morceau était bon. Je suis malsain, un putain de mal instable. C'est malin qu'atteint le mal s'installe. Je pose mes couilles sur la table et le sort d'elle est terminé. Il n'y a plus d'espoir, c'est sur la lune est noire. C'est l'empire des ténèbres qui navigue dans les airs martiales. T'es l'envie sur spartiate. Je conduis le train fantôme de la vie. Mon équipage, t'es les princes des goûts de la ville. Tu m'envies, je t'enfile, gros débile. Je t'élimine, j'apprécie les défis. À l'époque, avant qu'on soit chez Néochrome, pour Unité de Feu, mon groupe à Katana et moi, on cherchait un label. Et comme on trouvait pas, on avait décidé de s'autoproduire nous-mêmes. Et j'avais trouvé le nom Ténébreuse Unité de Feu, donc Ténébreuse Musique, tu vois, pour un label que pour moi et Katana. Et au final, on est allé chez Néochrome, ça s'est jamais fait, je l'ai toujours dit. Mais. Ah, tu le disais tout le temps. Ça sort de mon cerveau, hein. Tu peux aller retrouver en 2005, 2006, je le disais déjà, hein, il y a 10 ans. C'est c'est un mec qui a découvert le rap, c'est un peu une belle histoire, qui a découvert le rap grâce à Chien, ou à cause, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne chose. Et du coup, il rêvait d'un album en commun. Et il a dit, moi je lui ai dit, avec quelqu'un, on lui a dit, si vas-y, ok, mais il faut que tu t'en occupes, parce qu'on n'a pas la force, pas le temps et tout ça. Donc il s'en est occupé. Celui qui a fait tout le visuel, il était là du début à la fin, tu vois, il était là aussi en studio. Franchement. Il était là au début, c'est lui qui est venu me chercher chez moi, me redéposer chez moi. Il était là du début à la fin, tu vois. Il a trouvé des titres, tu vois, des noms de morceaux. Le titre de Hitler, c'est lui qui a trouvé le titre, tu vois, c'est... Même les covers, là, tu sais. C'est lui qui les a faites. Toutes les covers, des reprises, c'est lui qui a tout fait, c'est son idée. Franchement, beaucoup de... Et il dessine super bien, beaucoup il déborde d'imagination. On s'est dit, c'est pas une maison de disques qui va nous aider à faire un truc qu'ils vont pas vendre, de toute façon. Donc autant demander aux gens qui le veulent de nous aider, de nous filer un coup de main. Et ça a marché, tu vois, donc... Franchement, c'est cool, on a rien à vendre, c'est déjà vendu. C'est vrai, on s'en fout, en fait. Tu sais, c'est peut-être faire une pièce, quoi, un truc que tu... C'est pour ça, le fait que... Qu'il soit disponible, pas disponible, en fait, on s'en fout un peu, il est fait, il existe, tu vois, c'est... Celui qui le veut, il le trouve, celui... On a fait ça en deux séances. L'album, il a été fait en deux séances, on a tenu notre promesse. On est réglo, on est correct. C'est vrai. On a fait ça, si je te mens pas, retour de vacances, je suis rentré de vacances, on a fait ça directement en été. Deux séances, c'était réglé, on est déjà passé à autre chose depuis un moment, on est sur autre chose. Dans nos têtes, dans nos... Mais tu veux savoir comment ça s'est passé, beaucoup de fromage, énormément de fromage, énormément d'herbes et beaucoup de rigolades. On a beaucoup rigolé. Ouais, c'était lourd. Franchement, on a beaucoup rigolé. Et beaucoup c'est un de. Bon beaucoup de. Ouais, ouais, c'était vraiment. Le disque, c'est cool. Un souvenir de ces deux séances, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. C'est une carte postale et un souvenir de vacances. De vacances d'été, quoi. Ouais, je sais pas si on peut dire de quoi on parlait quand on dormait. De et tout, on rigolait de... vraiment ah fort. Ouais, non, on peut pas tout dire, tu on vois. On peut pas tout dire. Je sais pas, on parle de tout, quoi. De conneries, de, tout, ouais. de trucs de la vie, je sais pas. Mais beaucoup de rap, c'est vrai. Ouais, beaucoup de rap. Ouais. Déjà, sur le chemin dans la voiture, on a dû en écrire 2-3 déjà, tu vois. Juste de Évry à arriver jusqu'à là-bas. Donc après, ça allait super vite. Franchement, là-bas, même en... Pendant le séjour, là, ces deux séances, on passait plus notre temps à rigoler, à fumer, à manger du fromage qu'à travailler. On allait trop vite. Là, c'était une partie de plaisir. Joker, c'est un mec tellement cool, en fait. Il a toujours été, tu vois, toujours moi, il m'a toujours dit, ouais, j'adore ce que vous faites, tout ça. Et puis, il connaît Kevin, il connaît un peu tous nos potes. Je sais pas, ça s'est fait comme ça, en fait. Je lui ai dit, vas-y, viens, on fait ce morceau.
Et Hamza, Hamza, on écoutait le voyage en fait pour aller enregistrer au studio dans l'est de la France. On a écouté sa mixtape en fait. Alka, il a découvert à ce moment-là, je crois. En fait, il me l'a fait écouter sur le trajet et sur le trajet pour y aller. Arrivé là-bas, on l'a contacté directement par Snapchat ou Instagram. Et il nous a répondu. Le soir même, le morceau était fini. Le soir, le morceau était fini. Il nous a envoyé ses pistes. On a écrit sur son refrain. Il a été d'une rapidité. Ouais, beaucoup de... Nous-mêmes, on a été méga rapide de ouf. Lui-même, il s'y attendait pas, tu vois. Il nous a envoyé le refrain. En moins, je crois qu'une heure ou deux après, on lui a envoyé deux couplets. À minuit, il avait le morceau. Il nous disait, vous êtes débile et tout. On a suivi son délire en nos limites. Là, c'est lui qui a fait le refrain en premier. On est arrivé après. Ouais. Moi, j'aime bien les albums, en fait. Je trouve ça cool, un tout, tu vois. J'ai vu un mec dire, ouais, l'album Ténébreuse Nuit, l'album des fonds, si tu prends les morceaux un par un, ils sont pourris. Je peux comprendre, en fait, je crois. J'aime bien ce truc où tu t'entres dans un univers et t'en sors, t'es un peu épuisé, tu vois. T'en sors, tu sais pas, tu sais, mais qu'est-ce qui s'est passé, un truc, quoi. Je suis prêt à en faire un deuxième ou un troisième, dans de meilleures conditions. Je l'ai dit tout à l'heure, on a fait ça en deux séances. Donne-nous plus de séances, donne-nous plus de fromage, plus d'herbe, plus de merde, et tu vas voir. Est-ce que ça sera, tu vois? Peut-être ça qui fait le truc, tu vois. Je pense qu'on peut faire mieux, moi. On peut toujours. C'est comme si j'avais un Pokémon, tu vois, qui dit toujours le même mot. Tu vois, qui dit toujours Pikachu, pipi, caca, chouchou. Je fais la même chose avec pupute. Le meilleur, je pense que c'est le salope, 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 salope. 4 fois. Efficace. Il est lourd, celui-là. Il est sûr. Je suis sûr de lui. Beaucoup ont essayé de me le voler. Beaucoup essayent encore. Quand c'est des gens reconnaissants, il n'y a pas de problème, mais quand c'est des gens qui se l'accaparent et qu'ils ont plus de public que moi, donc forcément un plus grand réseau que moi, les gens ils croient que c'est à eux le délire. C'est ça que j'aime pas, tu vois, que j'apprécie pas. Voilà. Astic, Astic. La bite, la bite. Patrick, Patrick. Pratique, sadique. Astic, Astic. La bite, la bite. Patrick, Patrick. Pratique, sadique. Patrick, c'est Patrick Sébastien, Patrick Timsit, Patrick Ewing, Patrick. Robert veux, Patrick. En fait. Ouais, c'est n'importe qui en fait. C'est pas tout quoi. Il y a une rumeur comme quoi, tu vois, il est bien membré. Patrick Sébastien, qui va dans les clubs échangistes. Des témoins l'ont vu. Ils m'ont rapporté. Des témoins oculaires. Ils m'ont dit qu'il est vraiment. Il a une bite énorme quoi. Tu vois. Il y avait vraiment une bite énorme, il y avait des Renault avec des grosses bites. Et Patrick est arrivé, il avait une méga grosse bite. Tu vois, il les a dépassés, quoi. Ouais. Et voilà, quoi. Mais c'est connu, elle est connue, cette. Ouais, c'est connu, ça. Tu peux aller dans. les mecs qui vont dans les clubs échangistes. C'est une légende, en fait. Enfin, c'est pas normal. Une légende qui a une grosse bite. Tout le monde le sait, quoi. Sa grosse bite est une légende, tu vois. Tous les partouzeurs de Paname le savent. Mais j'ai beaucoup d'amis à moi, qu'on a sûrement en commun, même des rappeurs, qui vont. Et voilà. Qui me rapportent ce qui se passe, qui me disent comment ça se passe. Voilà, c'est comme si j'y étais. Ah, j'ai écouté le morceau de Fababi, ma petite. Il est lourd d'ailleurs. Fababi, ma petite, lourd. Tu l'as écouté ? Non. Méga lourd. Ah ouais. Je vais l'écouter après. Si, on attend quand même un peu de sous. Toujours. Toujours. Ouais. Israël Monégro. Toujours. Arabe musique, Israël musique gros. Toujours frère. On attend toujours la même chose que, le boulanger et que le maçon, on attend la même chose frère. Parce que les gens ils disent beaucoup arabe monnaie. Mais en fait la vérité c'est Israël monnaie mec. Tu vois, on dit y a pas de faux métier, si, moi j'en connais un. Hein. Enfin t'as vu, qui vit du rap? Enfin, en France, qui en vit vraiment bien? Il y en a combien? Il y en a. Bon, il y en a un peu plus qu'avant, mais il y en a 10, je pense. Après tu survis, tu vois. Moi j'aime vraiment bien le pognon, j'aime bien. Pouvoir faire ce que j'ai envie avec mon argent. Donc si je dois attendre un tel ou tel truc, ça m'agace. Tu vois, je prends les devants et voilà, je me débrouille, quoi. Tu sais, je suis prêt à tout pour de l'oseille. Comme Rick Ross. Je serais prêt à être maton, frère. Pour de l'oseille, frère, c'est pas un sous-métier, gros. Il n'y en a qu'un, sous-métier. Il n'y a pas de métier sale, frère. Même pute, frère, c'est pas un métier sale. Je sens que c'est bientôt la fin. Et je sens que je suis chaud comme jamais, tu vois. C'est bientôt la fin, j'ai mon iPhone, il est rempli de textes. Des textes tout le temps.
à ma pause de midi au taf, après manger, je fume mon pilon, je trouve des rimes. Ça sort tout seul, tu vois, je suis obligé de les noter, les rimes viennent toutes seules. C'est la fin en tout cas, je te le redis, je ne redirai jamais assez, je sens que c'est la fin. Je sens que je suis chaud, mais je sens que c'est la fin. On n'a rien à gagner, on a rien à gagner à faire de la promo, tu vois, le truc est déjà vendu. Non, rien à gagner, on le fait enfin, vraiment pour tes beaux yeux. On ne me demande pas non plus, tu vois, nous, on nous demande, enfin moi, en tout cas, on ne me demande pas non plus tout, tu vois. C'est peut-être ça aussi, toi, plus Alka, parce qu'il est bankable, Alka. Comme dit CDC, tout est mathématique. L'empereur, le calculateur, le seigneur, le gangbanger. Moi, je pourrais être un bon client pour les interviews, tu vois, pour genre les journalistes de la télé, pour TF1, pour Truc, pour Arthur, pour... genre toujours une connerie à leur dire qui serait sympa, mais j'ai rien à gagner à faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde ? En vrai, Nekfeu, il me dérange vraiment pas, quoi. Son rap me dérange, clairement. Je trouve ça infernal. Tu vois, les nanani nanani nanani, c'est infernal. Mais c'est tout, l'humain, il est cool, je pense, tu vois. Je sais pas, donc je veux pas me battre avec lui. Méga pute. Ouais, je me sens violé, je me sens sodomisé. Je me sens sali. Ces rappeurs me salissent. Faut que je prenne une douche après avoir écouté ces putes. Ça dépend, tu vois. Chocolat belge. Ouais. Chocolat belge, il est bon, le chocolat belge. Ou bien une tatin. Une compote Andros avec du caramel beurre salé. Ah, c'est bien, ça. Juste ça, ça fait tatin. Plein. Après, tu peux la customiser autant que tu veux, hein. Tu vois, tu rajoutes chantilly, des trucs, ouais, tu fais tout ce que tu veux. Ça fait rien parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'admet, qui le sait, quoi, tu vois. Même nous, tu piétines quand tu gagnes plus d'argent, en fait. Enfin, selon moi, hein, piétiner, c'est quoi ? Je pense que les meilleurs rappeurs de France, on les a jamais entendus de nos vies, donc... Donc tu piétines, ouais, on piétine, ouais. On piétine dans nos chambres, quoi, plus, tu vois. Bah c'est nos... c'est nous, en fait, Alka, c'est le P, moi je suis le vomi, parfois, on change. Ce serait magnifique, je pense. Un arabe aux yeux bleus. Un arabe du futur. Non, j'aimerais tellement, je te jure, partir avec Sid, je sais pas, ou au Japon et tout, parce que lui il va souvent au Japon. Donc ouais, j'aurais bien aimé le suivre là-bas, ou partir en vacances, tu vois, une petite destination, tu vois. Lui, il emmène sa copine, moi j'emmène ma famille, on se casse, tu vois, on peut... Tout reste envisageable. Les orgies de fromage, c'était un peu ça. Il met du vin, cet enfoiré, dans tous les trucs. Mais ça c'est... Non. Mais ça, c'est normal dans la fondue du vin, mais fondue au champagne. Ouais, c'est beaucoup plus aéré, en fait. Lui, c'est un bouffeur de fromentons, c'est dingue, quoi. Il bouffe, hein, t'as vu ? Il bouffe du fromage tout le temps. Moi, je préfère pas savoir. Toi, tu vois, toi ? Moi, je le vois à mes concerts, tu vois. Ouais. Je suis surpris, je t'ai dit à chaque fois, tu vois. J'ai l'impression qu'il change à chaque fois, qu'il évolue, qu'il... Voilà. Les gargouilles. Les monstres pas faits encore, pas finis, ni dans leur... Le corps est pas fini, leur mental non plus, tu vois. Ils se cherchent. Tu vois, des fois, ils cherchent pendant longtemps, pendant des années, tu vois. Voilà comment je vois mon public comme des chercheurs. Mais non, ouais, je me dirais Shining, ouais. C'est plus l'angoisse, en fait, qui est... Ouais. C'est un film des années 80, il s'appelle Démon. Et c'était... Il regardait un film au cinéma, ouais. Les mecs, ils sortaient du cinéma, tu le connais ? Et il y avait une boule qui poussait ici, là. Une boule qui poussait, et elle éclatait. Et là, tu te transformais en démon, gros. Alors, on va le voir, celui-là. Je le regardais quand j'étais petit, en Tunisie, je flippais à mort. Tu sais que les vieux films d'horreur sont vraiment... Ça a tellement mal vieilli, genre Blob et tout, tous ces trucs complètement... De basket, machin, case, là, je sais plus quoi, avec des clodos bizarres. Et tout. Démon 1, 2, 3 et 4, des méga tueries de ouf. La BO, elle est incroyable, de démon.
que les champions d'athlétisme peuvent être baisables après 50 piges. Que tu peux avoir envie de baiser un homme champion olympique après 50 piges. Il est mignon. Et cet enfoiré de Young Thug, il me fait voir les homosexuels d'un autre. En 2016, tu vois, les Jean-Paul Gaultier et tout, je les vois d'un autre œil maintenant. Je suis un peu plus ouvert. Et en prison, je sais pas moi, un garçon peut devenir vite un mannequin, hein. Un top modèle, hein. Vu de dos, trou du cul même s'il a des poils. La famille d'abord, dans le salon, au salon de la famille d'abord, on tourne un clip dedans. Je connais pas bien la famille d'abord. Notre belle famille. Ah, toi, tu voudrais. Notre belle famille, et dans la cuisine, j'aimais bien leur cuisine, tu vois. Salon qui rejoint la cuisine. Mais ça faisait tout ça, en fait. Même la maison de Madame est servie, tu vois, ça rejoignait la cuisine directe à droite. De notre belle famille, la même chose. Avec un escalier qui monte dans le salon. Et à droite, une cuisine, frigidaire américain, évier. Avec une porte aussi qui est dans la cuisine. Il y a une porte qui donne à l'extérieur dans la cuisine. Où il y a Mona qui rentre, ou bien Cody, ou bien... Et un lit en voiture. Un invité. Tu te rappelles du lit en voiture ? Ils avaient tout le temps des lits en voiture ou en camion. Moi, c'est ça que je voulais. Je voulais tellement ça. Je vais m'en acheter un, d'ailleurs. Polnareff. Je pense qu'on s'entendrait bien. Et je pense qu'on ferait un très bon morceau. Et après, si tu me demandes un morceau avec Alka et quelqu'un d'autre, Patrick Sébastien, forcément. Parce que là, on ferait tourner les serviettes hygiéniques, quoi. Ou Francky Vincent. Profitez bien de Ténébreuse Musique. Bisous à Cortex. Je t'aime, Cortex. Mon cœur, je t'aime. Je t'aime, mon amour de Cortex.